Avais-tu peur de lui ? Ouais, alors je lui réponds, t'es peut-être un loup, t'es peut-être le plus dangereux bandit de la province de Hygin, mais ton pourboire est minable. Vraiment ? Mais comment t'es sorti de là vivant ? Eh ben je lui ai pas vraiment dit ça, mais je l'ai pensé, dans ma tête. S'il avait pu lire dans ma tête, il aurait dit, quoi ? C'est vrai, j'espère que vous aimerez. Ça, c'est vraiment bon. Ah, c'est trop gentil. Vous devriez essayer la soupe à l'ingrédient secret de mon père. Lui, il connaît l'ingrédient secret. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est délicieux. Ouais, t'es vraiment un bon cuisinier. J'aimerais avoir une plus grande bouche. Tigresse, tu devrais y goûter. On dit que le dragon guerrier peut survivre des mois durant avec uniquement la rosée d'une simple feuille de ginkgo et l'énergie de l'univers. Je crois que mon corps doit pas savoir qu'il est le dragon guerrier encore. Il a besoin de plus que de rosée et de boire le jus de l'univers. Quoi ? Oh, rien. Maître Shifu. Tu ne seras jamais le dragon guerrier, à moins que tu ne perdes 200 kilos et que tu te brosses les dents. Qu'est-ce que c'est que ce bruit que vous faites ? Un rire ? Jamais entendu parler de ça. Travaille fort, panda, et peut-être qu'un jour... tu auras des oreilles comme les miennes. C'est bon. Les oreilles, ça vous fait pas rire? Pourtant, je trouve ça drôle, moi. C'est Shifu. Bien sûr que c'est Shifu qui tu crois que j'imite. Ouh, maître Shifu. Vous croyez que c'est drôle? Tai Long s'est évadé de prison et vous agissez en enfant. Quoi? Il vient chercher le manuscrit du dragon et tu es le seul à pouvoir le combattre. Et moi qui disais que vous aviez pas le sens de l'humour, je vais aller combattre Tai Long. Quoi, vous êtes sérieux? Je dois aller... non, Maître Oogway va le combattre. Il l'a déjà fait, il peut le refaire. Oogway ne peut pas. Plus maintenant. Notre seul espoir, c'est le dragon guerrier. Le panda. Oui, le panda. Maître, je vous en prie, laissez-nous combattre Tai Long. C'est pour ça que vous nous avez entraînés. Non, ce n'est pas votre destinée de vaincre Tai Long. C'est la sienne. Oui, il n'est pas eu.